Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, les Lunishmat, Richard Ben Fortuné Mazal, Claude Israq Ben Fortuné Mazal et Dani Myriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, d'ici la prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Saratuma Perikhe, Mishnah Dalet. On est un peu longue, mais on va la lire vite. Violo et Asahir, Shrato Vekibel Bamizrak et Damo. Nichnas le Makom Shin, Nichnas, Vamad Ben Makom Shin, Amad, Veizam Imenu Achat le Mala Vesheva le Mata. ולא היה מתכוון לעזות, לא למעלה, לא למטה, אלא כמצליף. וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא והניחו על כאן השני שהיה בהיכל. רב יהודה אומר, לא היה שם אלא כאן אחד בלבד. נטל את הדה, נדל דם הפר והניח דם השעיר. ויזמנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ. אחת למעלה ושבע למטה. ולא היה מתכוון לעזות, לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. וככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. נטל דם השעיר וניח דם הפר, ויזם ימינו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ. אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לעשות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. וככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. ערה דם הפר לתוך דם השעיר, ונתן את המלא ברקע. Vous avez vu Mishnah longue, mais qui se répète beaucoup. Mais je répète très succinctement d'abord les points importants de la Avoda depuis que le Kohen Gadol a mis les Big de Lavan. Il s'est trompé au Mikvé. Il a mis les Big de Lavan pour faire la Avoda spécifique à Yom Kippour. Il a commencé à faire. Il y avait son par, le taureau. Il a fait un premier vidouille. Il est parti tirer au sort entre les deux Saïr, c'est-à-dire la Shem, c'est-à-dire la Zazel. Il est reparti sur le par. Il a fait un deuxième vidouille pour tous ses frères Kohanim. Il a fait la Shrita. Réceptionner le sang, il a donné à quelqu'un qui le tient et qui fait tourner le kli. Après, on a sorti la ktoret, il a pris la ktoret Melchofnav, il l'a mis dans la cave, avec la, bien sûr, les bougies avec les braises aussi, il rentre avec les deux, il fait brûler l'encens dans le Kodesh Kodeshim, il ressort, il prend maintenant le dame à part, il était parti, c'est ce qu'on a vu dans le Mishnah précédent, il est parti dans le Kodesh Kodeshim, il a aspergé, achat le mala vesheva le mata, une aspersion en haut et sept en bas, c'est-à-dire une. Avec la main vers le haut, comme ça, comme si qu'il visait le toit du Aaron. En fait, il ne le touchait pas du tout. Et 7 vers le bas. D'accord? Et il comptait. Point important, la dernière phrase de la Mishnah, parce que ça va faire l'objet d'une petite discussion dans notre Mishnah, c'est que lorsqu'il avait fini avec le dame à part, alors on avait vu qu'il sortait du Kodesh à Kodashim, et dans le Echal à côté, là-bas où il y avait donc la parochette, le. Aaron, le Mizbach Hazav, la menorah, le Shulchan, il y avait là-bas un kan, un support en or sur lequel il posait le Mizrak. D'accord? Ça, c'était pour la Mishnah précédente. Maintenant, il sort complètement du Echal, et là, et violo est à Saïr, on lui a porté le Saïr, le bouc la chair, on a tiré au sort, un qui allait être un Khatat qu'on a séparé le sang à l'intérieur, et l'autre qui allait être le Saïr qu'on a envoyé, l'Azazel. Dans le Midbar, dans le désert, comme on verra plus tard. Donc, Evilo est à Saïr, on lui a porté le Saïr, qui allait être pour l'Hachem. Shrato, il fait la Shrita. Vekibel bam Mizrak et Damo, il réceptionne dans un ustensile de nouveau son sang. Nichnas le Makom chez Nichnas, il entre dans l'endroit où il était entré. Vehamad bam Makom chez Hamad, il se tient là où il s'était tenu. Il a déjà fait, donc là-bas, il avait fait brûler l'actoret, au même endroit. Il a fait ensuite, là, il a aspergé le sang du par, et puis à présent il arrive avec le sang du saïr, du bouc. Veizam imenu achat le mala vesheva le mata, et il a aspergé son sang, achat le mala, une vers le haut, et sept vers le bas. Velo amit kaven la zot lo le mala velo le mata, mais il ne visait pas à asperger réellement sur le haron, une en haut et sept sur le côté, non, pas du tout. Et là, kematzlif, il fait juste, et juste, et, c'est un peu, je vous dis, c'est délicat ce mot kematzlif. Mais juste qu'il fait comme si un vers le haut, c'est la, selon Tifa, c'est la manière de positionner la main. Kematsif comme quelqu'un qui lève pour ensuite refrapper. Selon le Barthénora, on dirait plus que non, c'est comme ça que c'est la Mashmour de Rachid, la Mishnah de la Gemara aussi. C'est qu'en fait, non, c'est juste comme quelqu'un qui va frapper sur le dos. Apparemment, quand le bourreau il frappe sur le dos pour mettre plusieurs coups, mais il frappe pas au même endroit. Il frappe 1, 2, 3, il descend au fur et à mesure. Donc là aussi, il va descendre, en fait. Sur le sol, devant le haron, en fait, il y avait 8 points de sang. Un qui était en haut, c'était celui qui l'avait fait quand il avait fait comme ça. Et en dessous, il y avait 7, que ça revenait vers lui.
Vekar, et il fait la même chose donc maintenant avec le saïr, avec le sang du saïr. Vekar hamoy a yamoné, et ainsi il comptait, même principe qu'hier, achat, une. C'était pour celle qui était vers l'eau. Achat va achat, une et une. C'est-à-dire une vers. Il compte la deuxième en disant, au lieu de compter deux, il fallait distinguer les deux aspersions différentes, l'aspersion de vers le haut et l'aspersion de vers le bas. Donc une et une. Après achat ou shtaim, une et deux. C'est pas qu'à chaque fois il recommence à faire trois, oui, il comptait. Au lieu de compter 1, 2, 3, il comptait 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, au lieu de faire 1, 2, 3, d'accord? Et 1, 4. Achat, achat va achat, une à une, achat ou shtaim, achat va shalosh, achat va arba, achat va chamesh, achat va shesh, achat va sheva. Ce qu'il arrive et qu'elle arrive à la 8e aspersion, donc, et qu'il a compté en disant donc 1 et 7. D'accord? Parce qu'on avait dit qu'il fallait bien distinguer les 7 aspersions vers le bas, c'était une chose, l'aspersion vers le haut, c'était une autre. Il fallait les compter, il ne pouvait pas compter un endroit, donc il ne pouvait pas les compter ensemble. Il est obligé de compter, de mentionner à chaque fois qu'il avait déjà aspergé vers le haut pour ne pas qu'il s'embrouille, que quand il va dire achat, il ne va plus savoir ce que c'est achat, achat d'en haut, achat d'en bas, il va en donner plus ou moins, donc il procède ainsi. Ensuite, vous vous rappelez qu'il y avait le support où il avait posé le premier verre, c'était pas un verre, c'est un récipient qui était en forme de pointe, comme ça on ne pouvait pas le poser par terre exprès, et donc on avait posé le sang du bar initialement. Maintenant, il a fini avec le sang du bouc, il le sort, il rencontre maintenant le support. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je vous explique. Le but, c'est qu'il prenne maintenant le sang du par et qu'il va faire l'aspersion sur la parochette. Il est maintenant à l'extérieur du Kodesh Kodashim, il est dans le Echal, dans le sanctuaire, mais pas dans le Saint des Saints. L'extérieur, où il y avait là-bas le, comme on a dit, le Misbeach Hazav, le Misbeach de l'encens, la Menorah et le Shulchan. Donc là-bas, il y avait le support. Maintenant, le but, c'est de poser le sang du bouc et récupérer le sang du par, du taureau, pour l'asperger sur, en direction de la parochette. D'accord? Maintenant, donc, Yatsa Veinichol Kanasheni Shaya Bechal. Donc, il ressort, il va le poser ce sang-là, du saïr, sur un deuxième support. C'était la vie de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer Lo Haya Shamala Kan Echad. Il y avait un seul kan, il y avait un seul support. Il n'y avait pas le support pour deux verres. Et donc, Natal Dama par. Et donc il récupère avec sa main droite le dame à part, et Veheniach dame à saïr, il posait sur ce même support le sang du bouc. Et ensuite, maintenant qu'il a le dame à part dans la main, le sang du part du taureau, alors Veizamemenu à la parochet, chekenegada Aaron Mibachot, cette fois-ci, il va asperger littéralement sur la parochet, sur le rideau qui sépare le Kodesh Kodashim du Echal, chekenegada Aaron, qui est en se positionnant face au Aaron, au même endroit où il était à l'intérieur, il se positionne à l'extérieur. Et il asperge de nouveau, Achat lemala vesheva lemata, une en direction du haut et sept en direction du bas. Velo yamit kamenazot lo lemala velo lemata ela kematzlif. Et de nouveau, c'est pas qu'il se mettait à viser le haut de la parochette ou le bas de la parochette, mais juste kematzlif. C'est juste notre attention, elle est juste sur la manière de positionner la main, selon le Barthénora. C'est qu'en fait il faisait une rangées qui est une en dessous de l'autre. Mais quand Chaya monnaie ainsi il comptait achat, achat, ve'achat, achat, ushtaim, achat, ve'shalosh, achat, ve'arba, achat, ve'chamesh, achat, ve'shesh, achat, ve'sheva. Les 8 aspersions aussi, il les comptait de manière 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Ok. Natal, dame, asaïr. De nouveau maintenant, il a fini avec le dame à part. Alors il va reprendre le dame asaïr. Veniach, dame à part, il va poser le dame à part. Il va prendre le sang du bouc qui était posé là maintenant. C'est autour maintenant du bouc. Ouais, on avait déjà introduit déjà depuis le début. Les séries d'aspersions, ça se passe. Deux à l'intérieur, une avec le par, une avec le saïr. Deux à l'extérieur, face à la parochette, une avec le par, une avec le saïr. Et après, on verra dans la Mishnah plus loin qu'il fallait, dans la prochaine Mishnah, la cinquième série, ça va être sur le Misbeach Hazav. On verra ensuite comment ça se passe. Donc maintenant, il a fini avec le par, sur la parochette. À l'extérieur du Kodesh HaKodashim, maintenant il est dans le Echal, il a fini avec le par, et donc Natal Dama Saïr, il récupère, réceptionne maintenant, il reprend le sang du Saïr, Venir Dama Par, il pose le sang du par, du taureau, Vezam Emeno la Paronchet, Chikanegada Aron Mibachutz, il asperge sur le rideau, face au Aaron de l'extérieur, Achat Lamala Veshava le Mata, de nouveau, une en haut, en direction du haut, et sept en direction du bas, Velo Mikamina Zot, Velo le Mata, et la Kamazlif, il ne visait pas concrètement à la parochette, ni en haut ni en bas, mais juste Kamazlif, comme le
Matzli, comme celui qui met des coups de bâton, soit c'est sur la manière de tenir la main, soit c'est sur le... Il faisait des lignées. Vekacha yamone, et ainsi il comptait achat, achat ve'achat, achat ve'shtaim, achat ve'shalosh, achat ve'arba, achat ve'chamesh, achat ve'shesh. Achat ve'sheva. Ça y est, il a fait deux séries à l'intérieur du Kodesh Kodeshim, une avec le Par, une avec le Sahir, deux séries dans le Kodesh, dans le Echal, une avec le Par et une avec le Sahir en direction de la Parochet. Maintenant, Er Adam Hapar le Tochdam Sahir, il versait le sang du Par du taureau dans le récipient où il y avait le sang du bouc, il mélange les sangs en fait. Venatan est un malé barikan. Alors littéralement, il donne celui qui remplit dans le vide. Discussion dans la Gemara. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'en fait, non, une fois qu'il a versé le sang du par, eh ben il reverse de l'autre côté. Parce qu'en fait, son but, c'est de bien les mélanger. Ou c'est comme ça que c'est retenu la maskana. La conclusion de la Gemara, c'est comme ça. Jusqu'à la Gemara, elle avait une mentalité de croire que il versait, puis après, il mettait un ustensile dans l'autre. Et donc, il empilait les deux ustensiles. Il me semble que c'est pas retenu comme ça. Exactement, le Barthénois, il explique, comme ce que je vous ai dit, qu'il a, c'était juste qu'il est versé deux fois pour bien mélanger le contenu des deux sangs, du par et du saïr, parce que maintenant, il va faire une aspersion commune aux deux, et dans le même temps. D'accord? Ça sera dans la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.